Dans le dossier bataille qui pété entre Nèg Belé avec Solino, bagala grave, bagala empiré. Les mêmes gardes image, c'est vraiment triste. Bandit qui m'pèse, crasé figuion dame avec yon balle. Li mouri. Moi, les mêmes gardes figuion dame, non, il décapote. Dame, non, pas un bandit. Li pas un criminel. Li pas un bandit. C'est citoyen paisible qui vivent dans Solino. Bandio touyel. Bandio attaque en l'église. Et l'église ça, m'a pas trop de détails sur lui. Parce que les m'a cherché. Il y a plusieurs. Bah, il a dit, je vais finir trop si. Je dis, l'église ça, l'église Spring Hill. Je vais connaître Spring Hill. Je vais dire qui en bas. Non, non, Silvio 14, Delma 24. Et ensuite, il y a quelqu'un qui dit tout. L'église s'assoit à Delma 18. Je ne connais pas très bien. Mais, quand ils sont entrés dans l'église là, tu as l'air de faire une vidéo. Ils ont crasé tout ce qui est dans l'église là. Vite, l'église a crasé net. Et même si les bandits ont dit comme ça, et l'église a un problème, nous prenons le coup. Sans plus tarder, je vous invite à regarder la vidéo. Après ça, je vais tourner. Parce que le bike nous charge, nous camper dans la route. On prend ça toujours. Après ça, je vais tourner. Tout le monde connaît, tout le monde connaît. Nous là, nous sommes à Camp Goumé. Dans les swing nous sommes en Moudon. Tout le monde connaît. Tout le monde connaît. Venez. Venez. Mais vous n'êtes pas du gouvernement, nous voulons. Et n'est-ce pas une bataille, j'ai pas mal. Crasez toute vitolette, crasez toute vitolette. Mais nous, mais nous. Et n'est-ce pas une bataille, crasez toute vitolette. Ouais, on a crasé vitola. Nous va payer au coupé. Nous va payer au coupé. Dans Delma 24, c'est bandit Belé qui attaqué. Ou est-ce que ça passe là en nom l'église? L'église qui s'est donné, c'est ban fidèle. Qui ça encore? Comme les jours d'attaque, il n'y a pas de monde là-dedans. Comme ils ont entré, ils ont crassé vite. Ils ont gardé avec bout de bâton. Ils ont gardé gros âme guitare à manche longue. Ils ont crassé l'église là. Ils ont crassé. À travers cette fête là, dimanche, ils sont venus là, ils ont gardé l'église. Parce que si vous attaquez l'église là, tant que vous avez dit que vous avez dit, et ça au propre, vous avez dit que vous l'église bon Dieu. Bon, tant que vous avez l'église bon Dieu, c'est là qui est sacré. Pour qui ça? Vous avez dit que vous avez dit que vous avez fâché. Vous avez dit que vous fâché, non? Vous avez dit que vous avez entré dans l'église là, vous avez tout ce cassé sec, oui. Est-ce que vous avez dit que vous avez entré dans un péristyle ou un bombardi? Même quand tu as fait cela, j'ai quand même pas j'ai tout cassé connect ça au sec. Moi m'a songé moi-même. Gay on péristime au bombardi. La Tibonite. Même ce bagage a ouvert. De vous pas frapper, ou pas dire honnêt. Ou pas rentrer non. Zombie a soufflé tout. Ou ka fini rentrer, ou pas sortir. Bon soit rentre dans ou déplace son bagage. Sans 600 ou gant, pas bon permission, l'a sorti pas ou ni barrière ni porte. Est-ce que vous comprenez ce que je dis là? Ça veut dire, quand il y a des gens qui sont là-dedans, l'église bon Dieu, mon Dieu tout puissant, pour les bandits entrer dans l'église bon Dieu, ils ont crasé, ils ont brisé, après ça, ils ont y aller, un mal va arriver. Waouh! C'est la vie. Bon, les bandits ont attaqué un chablende, ils ont voyé une bouteille de cocktail Molotov sur le chablende. Ils ont regardé la vidéo ça là. Je vais afficher pour nous.
nous ouais Chablin Dia qui a couru avec Diffé sous tête li. C'est bandi yo qui voyait Diffé sous Chablin Dia. Ça c'est police était pour te renfort pour moun Solino. Eh bien bandi yo nous connaît yo toujours paré tout, yo paré pour police yo, yo voyait bouteille cocktail Molotov sous machine blindé si là. Et l'aim garde vidéo ça. Gen moun ki di m tout. Ça c'est pas Solino. Mais gen moun ki di m c'est Kafoufey. Étant donné nous ba information conditionnelle pendant journée, nous pas chercher plus d'état avec précision pour ka dire exactement côté Chablin Dia arrivé attaqué. Jodi vendredi 19 janvier 2024 là Port-au-Prince toujours levé lock barricadé caoutchouc boulé parmi yo route nationale numéro 1 yo signalé qu'elle bloqué non Damier gain Delma Delma 47 zone de résistance caoutchouc boulé. Nous avons Kafou Vincent, Douya, Outsao, et chauffé. Kafou Marassa, bloqué, lock. Canapé vert, lui-même, ou ta coupé net. Le barricade, lui la voix, bon repos, lison. Marin, Santo, toute zone sa bloqué. Ça veut dire là son pays lock, total, capital. Delma 17, devant Ona, barricade. Ça veut dire que Ariel Henry, il est en perte de contrôle. Pas de presse là. Ça, Ariel pas de vouloir, c'est lui qui fait. Tenez bien. Si Pible est levé, il est bloqué. Il est bloqué. Il est bouleversé. Nous avons fait fausse premier. Delma 47. Delma 40B, 40A. Delma 32. Ça, c'est une résistance qui est oyé. Chris Wa, là, lui. Ouais, la lutte, dérouvé, bon pompe là. Bloqué. Avenue Christophe, Boisvena, Tijo. On ça au bloqué. Tout côté ça au bloqué. Ça, ils ont parlé là. Tijo. Nazon. Barricade. Ça veut dire Ariel, pas qu'à circuler dans le monde là. Parce que, ouais, en vol circuler. Faut ta gétan faire nouvelle pour ta connait mes zones qui bloquées pour ta faire l'autre route. Donc ça au bloqué dans mes Ariel. C'est pour qu'a dit pays l'autre a commencé. Kounya là c'est Guy Philippe peuple là entend là parce que yo même yo étant en action. C'est Guy Philippe qui était pour entrer dans capitale là. Bon, matin là bandi exam kidnappé plusieurs sœurs qui n'a pas dit, c'est l'église Satan. Le kidnappé c'est ça, yo, qui était dans une machine. Le kidnappé, yo, yo a là avec yo. Et m'a dit, combien vous avez dans le bus que vous avez? Attendez, oui. Selon la façon qui vous avez joué, avec yon confrère, qui partage François avec puisque elle connaît ma faire émission, elle connaît, faut parlé de ça. Elle dit bandit terroriste, zami pam, yo fait kidnapper 7 mai, 7 ans, qui était dans un petit bis couleur bleue, dans niveau avenue Christophe. Yo kidnappé yo, yo a là avec yo. Qui côté yo, même qui a pas la voix jusqu'à présent, m'bagay information m'dazou, mais qui côté bandi yo al avec c'est l'église Satan. Comme yo dit Satan, son c'est qui campe le pouvoir. Qu'est-ce que ça yo utiliser prière pour qu'a disparaître, m'ba quoi c'est l'argent t'a voué là pour qu'a libérer. C'est ça yo là, étant donné Satan gen pouvoir parce que mon grand monde connaît avant de parler Satan. Avant de parler et Satan.
Et bien que c'est ça, il disait prière, mais prêt pour voir que vous gagnez, puis vous disparaissez dans les bandits, pas quitter la famille, ouvrir l'argent. Et ensuite, mes amis, bandits, vous ne savez pas, j'aime la faire. Si c'est l'église épiscopale, nous te prenons, nous te connaissons, okay, c'est même gang pareil, nous prenons. Mais l'église Satan, il va qu'on a affaire moun, il va qu'on voit exam, il va qu'on voit balba bandi. C'est l'église épiscopale d'Haïti qui qu'on habite voit exam avec balba bandi. Quand vous souple, libérer sérieux pour aller la caillou. Mais c'est ça on va jamais n'a affaire moun. Bon. Bandi yo, m croit que n'a tendem là. Tant pour souple. Libérer c'est pour nous, c'est cette qui nous amène nous. Libérer c'est ma congrène. Voyez à l'état pour souple. Parce que y a pas jamais de complot, y a pas de corruption. Y a qu'on voit les hommes avec balle pour nous et me répéter le plusieurs fois. Nous ne sommes pas qu'on conflit avec gang. Et l'église okay, c'est malheureux occupé. Tant pis, pas faire au mal. Pas violer au tout. Pas violer. Respectez. Parce que nous connaissons les chrétiens qui nous amènent là. Respectez. Bon. L'autre dossier que pour là, nous connaissons une situation compliquée. Où Delma, mi-temps, a chauffé pour yon fouler béton encore une fois. Parce que yon dit, yon pas bay vague. C'est dernier tout autant Guy Philippe pour qu'on fait ça faire pas grand rien cap camper DDN bloqué net c'est ça il fait qu'on est il met pied à terre il a frappé il a gagné plusieurs zones dans nous image déjà dans vidéo nous voit ça qui a passé et ou le boudon lui même c'est pas parlé. Moi m'a regardé moi ça t'est passé hier dans capitale là qui j'ai parent t'a courir al dé élève l'école parce que l'école était des cadres petit gens paniqué avec situation. Est-ce qu'on est parent qui prend plaisir au matin là yo bé et ti moun yo et mais uniforme sur pour mener l'école et bien yo mené dans l'école mais boudon mais pas respect pas recevoir nous. Yo va recevoir yo. Yo dit mais nous pas en danger nous. Nous pas pays à bloquer. Nous pas où qui ça passe dans pays. Nous pas faire nouvelle. Marché grand monde à la team nous la quand aider pour m'aller pas venir sur compte nous. Et ça yo courir derrière yo. Mais à pas recevoir élève yo. Il fait élève yo, il fait parent yo tourner avec élève la caillou parce que pour Jean pays là, il marqué 100. Parents ça yo, son bonne parent s'est tiré. Yo où ça passé hier. C'est sous tête qui a couru parce que en dedans à l'aide ti moun l'école. Mais matin là, yo bé ti moun yo, yo met li fam sou yo, yo mené yo traverser route lan mort, ka fou danger a, y a le ti moun l'école. Pas bravo pour l'école mais boudon, il va recevoir par ti moun yo dans mes parents. On d'accord avec lui. Fait son mal arrivé, t'a dit est-ce que pas faire nouvelle. On pas supposé recevoir ti moun yo. Mal rendez-vous dans prochaine émission pour qu'on vienne ton autre dossier pour abonner channel ça c'est pour audition 69 amendez vous like abonner peser sous cloche notification retirer spécialisé média sur tout pour les nouvelles vidéos pour pas rater. Et puis CNE donc ça a fait demain rapport ça yo visé ancien parlementaire autorité locale ancien haut fonctionnaire l'état en administration publique l'on tant qu'au APN CEMAC ONA CNE Sénat République l'on ministère éducation nationale ministère affaires étrangères loterie l'état haïtien à mairie roi d'Amet et puis diverses autres institutions dans le domaine éducation détournement bien public enrichissement illicite blanchiment l'argent abin fonction, forte déclaration patrimoine, association malfaite, c'est quelque part infraction yo.
pour directeur général ULCCA, M. Hans Jacques Ludwig Joseph, rapport Sayo montré niveau corruption cap manger payant. Il dit qu'il montait comme un système. Il fait qu'on est le rapport ça fait partie 42 rapports ULCC déjà transférés by la justice payant. Explication à DG ULCCA, M. Jacques Hans Jacques Ludwig Joseph. Il était parlé dans le micro Micheli Alexis à Clergé Danier. 15 novembre 2023, je transmets par devant la face du monde, par devant le peuple haïtien notamment, 11 rapports d'enquête à la justice sur des faits avérés de corruption. Cette cérémonie de remise se veut la quatrième de mon administration pour un total de 42 rapports finalisés et acheminés aux autorités de poursuite. Un immense effort qui traduit une motivation et un courage inouï de ces hommes et femmes de l'ombre qui sont les agents assermentés de l'ULCC dotés de pouvoir d'officiers de police judiciaire. La constance de nos actes, le sens élevé de la République et l'attachement à l'avenir qui nous anime, qui anime cette équipe d'experts dans le domaine de la lutte contre la corruption, explique ce rendement sans commune mesure en Haïti dans l'histoire de la lutte contre la corruption. Cette efficacité assumée se veut possible grâce à cette volonté sans équivoque manifestée au plus haut niveau de l'État par le gouvernement de la République qui engage des réformes profondes visant à imposer la transparence et la bonne gouvernance dans les finances publiques. Ces dossiers présentés ce matin ont fait l'objet d'un traitement minutieux qui a nécessité la mobilisation des compétences diverses, notamment en audit, en droit, en investigation financière et numérique. Il touche plusieurs institutions de l'État ainsi que des agents publics, des personnalités politiques qui avaient pour certains et qui ont encore pour d'autres le devoir et la responsabilité de gérer en digne et honnête citoyen l'argent du peuple haïtien. Ces enquêtes d'envergure concernent entre autres l'Office national d'assurance vieillesse, ONA, le Centre national d'équipement, CNE, le Sénat de la République, l'APN de Saint-Marc, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, le ministère des Affaires étrangères et des Cultes, la mairie de Wanamet, première phase, et la loterie de l'État haïtien. Les informations, les infractions retenues à l'issue des investigations sont les actes de détournement de biens publics, d'enrichissement illicite, de blanchiment des avoirs, d'abus de fonction, de prise illégale d'intérêts, de fausses déclarations de patrimoine, de faux en écriture publique et d'associations de malfaiteurs à titre, bien sûr, d'infractions assimilées. Il va sans dire que la perte que subit l'État haïtien à cause de ces actes de corruption de ceux et de celles qui ont trahi la nation est colossale. Sur l'ensemble de ces dossiers, le trésor public a été saigné à blanc. Les pertes et les manques à gagner sont estimés à plus de 4 milliards de gourdes, soit 2% du budget national 2023-2024 et 11 fois plus que le budget alloué à l'unité de lutte contre la corruption. Toujours même dossier, rapport d'enquête, ça, ULCC transmet hier by différents chefs juridictions à travers pays. On a parlé de Parcayo. Concernant ONA, ULCC fait qu'on a déjà mené sept rapports enquête dans ça qui vient pour eux, un dossier RBI, ONA, Pharma, Caribex, dossier location machine pour plus passer 60 millions d'euros dans un dossier
acquisition yon kay nan Pétionville pour plus passer 86 millions gourdes. DG ULCCA met Hans Jacques Lodowitz Joseph mandé pour mettre action publique en mouvement contre toute fautifio. Yon l'autre bord, DG ULCCA fait qu'on est li regrette, c'est seulement deux ordonnance qui sortit sous 31 rapports enquête institution la dirigé a mené pendant trois dernières l'année. Voilà donc dossier ça yo yo aller la justice, mais la justice souvent pas fait cas de yo. Une fois encore, directeur général ULCC a mettre Hans Jacques Lodowitz Joseph t'es dans micro Micheli Alexis avec Clergé Daniel. Je veux aujourd'hui entre autres affirmer que l'ULCC a déjà conduit 7 enquêtes d'importance à l'Office national d'assurance vieillesse, ONA, dont 5 pendant mon administration. Il s'agit notamment de la RBI, de ONA Pharma, Caribex, et de ces deux dossiers transmis aujourd'hui portant sur des véhicules loués en dehors de toute norme établie pendant environ 20 mois pour plus de 60 millions de gourdes, et de l'acquisition d'une propriété à Pétionville pour plus de 86 millions de gourdes dans les conditions opaques qui dissimulent des faits importants de corruption. Ce sont deux scandales énormes de corruption documentés par mes enquêteurs. Nous décidons de maintenir une veille permanente sur cet organisme social de l'État transformé en espace pour enrichir illicitement certains responsables, ceux au détriment des plus vulnérables que cet organisme est appelé à protéger. Plus que des rapports d'enquête, il s'agit de réquisitoires sévères qui établissent un état des lieux absolument immonde, de l'idée dominante qui veut banaliser la corruption, qui veut imposer cette mentalité qui tente de faire accepter que voler l'État n'est pas voler. C'est une perversité, c'est un déni de la vérité qu'il faut combattre à tout prix. Et c'est donc dans ce combat pour la survie collective, j'invite la justice à donner écho aux actes courageux de l'unité de lutte contre la corruption. La justice est l'une des pièces manquantes dans ce combat que nous conduisons avec conviction. Pour 31 rapports d'enquête acheminés durant les trois dernières années de mon administration, seulement deux ordonnances sont rendues par deux juges d'instruction. Je veux à cette phase saluer les efforts qui sont constatés dans certains dossiers transmis dernièrement par des juges qui portent en eux la dignité de la fonction et qui font honneur à ce corps respectable. Je demande donc solennellement à tous les magistrats, ceux dans le respect de leur indépendance, de prioriser d'abord les intérêts de l'État et de la collectivité dans les dossiers de l'ULCC. Les sanctions prononcées par des cours au nom de la République sont le remède le plus efficace pour stopper cette hémorragie qui avilit tout un peuple et qui anéantit le projet de vie de nos jeunes dont l'ultime recours est la fuite de leur terre. Chacun, que chacun prenne sa part de responsabilité, que la société, que les structures organisées d'ici et d'ailleurs sanctionnent ceux qui se font complices tant par leur inaction que par leur complicité des corrompus et des corrupteurs. Monsieur le commissaire du gouvernement, Monsieur le doyen, votre présence ici dans les lieux traduit l'intérêt que vous portez à cette cause. Vous êtes deux grands amis de cette maison et deux serviteurs de carrière. Toute la République attend ce signal de vous. Des choix des substituts et des juges d'instruction qui conduiront ces dossiers dépendent leur avenir. Je vous invite à miser sur des magistrats honnêtes et qui maîtrisent les crimes financiers. À partir des choix que vous aurez à faire, je me ferai une idée exacte du traitement qui sera donné à ce dossier de corruption.
Voilà, déclaration directeur général ULCCA hier, en un moment, l'étape remettre rapport différents enquêtes institutions emmenées sous différents institutions en dedans l'État. Nous, on pourrait parler avec collaborateur, nous, Lixon Saint-Ville, qui les mêmes te partagé avec nous, bien bon matin, information de débat et notre titre, à savoir, Parlement pays Kenya approuvé hier, non, jeudi, déploiement troupio en Haïti dans cadre mission multinationale soutien à sécurité. En plus détails avec Luxon Saville. Bonjour. Bonjour Gaël Gisèle, bonjour Johnny Ferdinand, bonjour Améter, bonjour tous les auditeurs, à auditrice Cap Côté Caraïbe FM matin. Oui, information, c'est ça. Le Parlement pays Kenya a approuvé un dit déploiement troupio en Haïti. Est-ce que c'est fini ou bien il y a de l'autre étape qui doit franchir encore puisque nous songeons gagner la route Cour de justice pays Kenya qui est même tout impliqué dans le cadre de dossier ça. C'est vrai, c'est un pas vers déploiement et policiers kenyans en Haïti, mais c'est pas encore fini. C'est pas fini puisque n'a pas appelé gagner un parti politique dans l'opposition dans le pays Kenya qui est le Third Way Alliance, qui lui-même a tenté un procès en justice contre décision gouvernement en place là t'es prêt pour te envoyer troupes en Haïti. Donc action en justice ça procès ça que parti politique ça lui-même dit t'es tenté à t'es gagné plus haute instance dans le pays Kenya qui t'es saisi de lui et yo t'as supposé décider sous lui si m'pas trompé jodi a même. Donc décision qui prend matin un grand bonheur, c'est même Assemblée nationale Kenya, on a parlé là de Parlement Kenya en général, qui a approuvé déploiement 1000 policiers en Haïti. Décision ça les prend c'est après t'as gagné plusieurs commissions qui ont même à travailler pour yo examiner, garder pour yo ouais. Est-ce que l'est nécessaire ou bien est-ce que l'est opportun pour Kenya et à satisfait résolution que les Nations Unies même dit adopté côté le approuvé mission multinationale soutien à la sécurité et qui supposé venir en Haïti. Donc après travail yo même commission rapport yo et by Assemblée nationale là, on veut parler du Parlement général dans pays Kenya pour yo te voter et bien rapport ça matin parlementaire Kenya yo voté li côté yo autorisé déploiement 1000 policiers en Haïti. Donc son on décision qui vient d'accord ouvrir la voie et à gouvernement Kenya pour yo faire déploiement, mais je ne sais pas, tout bagay pas fini. Il était qu'on y a à haute cour de justice dans le pays Kenya, qui lui-même prend rien pour le prendre. Ils ont décision finale sur ça qui vient pour avec voyer et policier ça yo même en Haïti. Mais faut nous dire que le cabinet ministériel l'a déjà et approuvé déploiement police. En Haïti, ça qui était une fait que j'étais franchi un nouvel obstacle juridique. Mais d'après rappeler pour mon capitaine de là, MSS là qui c'est mission multinationale soutien à sécurité, il y a un pays États-Unis qui même a bien pour le financer parti à hauteur de 200 millions de dollars. Mais sauf que fédéral aux États-Unis obligé tant que Congrès américain lui-même lui approuvé l'agence qui t'a dû financer mission ça. Donc ça pour nous Kimbe là c'est que Parlement Kenya lui approuvé il dit d'accord pour policiers kenyans venir en Haïti mais la justice c'est lui-même qui pral dit dernier mot. Alors la justice lui-même lui pral en dit tranché par rapport à plainte, c'est une cas dit le constat du parti politique dans opposition t'es poté pour t'es yo même dit qu'il est pas d'accord que policiers kenyan débarqué en Haïti, c'est ça. Effectivement, donc parti politique qui dans opposition il dit que yo estime que pays yo déjà gagné assez de problèmes pour yo gérer et yo pas wali
li opportun pou yo ta renvoye policier pou al ede Haiti. Men nan tout intervention ki fèt nan la pres, otorite yo nan peyi Kenya bay garanti menm si yo voye de policier an Haiti ap toujou genyen des ofisye kap rete nan peyi ya pou yo kapab sekurize Kenya. Donc yo toujou vle bay garanti avèk Kenya yo ke se pa vwe yo pral ane voye un policier en Haïti et puis pour yo quitter pays yo pas oublier n'a pas rappelé Kenya lui-même il y a un problème pas bien plus citoyen même dans société civile kenyan qui dit que gen yon bonne bagay pou yo jere la kayo parce que tape pote pour police yo t'arrête servi pays yo mais le président kenyan li toujours bay garanti que Haïti c'est un peuple c'est un pays frère donc yo pense que c'est un devoir pour yo apporter mes fortes et prendre cette mission ça vient aider police nationale là combattre gang qui a des problèmes dans le pays d'Haïti. Et dernier jour ça y est, un ministre intérieur kenyan qui était dit que en tout cas policiers au pape venir en Haïti sans ils ont pas joindre soit 225 millions de dollars euros que mission ça a pas coûté pour l'année. Alors oui, pour soldats pas pour 1000 policiers. Nan yon seyans ki te deroule nan parleman, ministre intérieur la li te clair, li te di ke pa gen deploiman pas avan ke yo menm yo jwenn financement sa. Donc yo di ke se yon on mission ki ta suppose koute yo a plus de 220 million euro. Donc l'agent sa pa vraiment gen trop detay sou comment li menm li pral séparer, comment yo pral utiliser li. Sauf que autorité yo dit faut que yo gagne financement mais faut nous dit au niveau la police dans pays kenyan recrutement yo déjà commencé gagne inspecteur général en chef et police kenyan qui dit que 1000 officiers qui pral gen pou déployer en Haïti y a bien la tête yo inspecteur général adjoint et c'est lui-même inspecteur général adjoint ça qui peut être commandant général mission. Donc en bas autorité inspecteur général adjoint ça ou va joindre le commissaire de police qui a géré opération, ou va joindre le commissaire cap chef état-major et a bien yon l'autre commissaire tout près ou le chef logistique. Inspecteur général en chef et police kenyan li dit tout que il y a 96 autres membres équipe cap dans quartier général côté mission à pied, yo pral gen pou yo gérer question renseignement, enquête avec l'autre agence technique qui a bien pour yo connecter et après ça, a gen plusieurs l'autre groupe qui a bien là-dedans, commandant unité police, officier état-major, sergent, caporal, gendarme pour ne citer ça seulement qui est pral composé équipe qui a sorti Kenya pour venir porter support avec la police nationale dans quatre batailles qui a fait contre gang. Il va faire 8 heures après le monté drapeau Luxon, mais bien avant, il y a FBI qui a ajouté non vite l'homme innocent dans la liste 10 mounes, plus ça pas cherché. C'est ça, agence fédérale là, qui a annoncé ça donc officiellement à travers une note publiée sur site internet li, hier mercredi. Mais on finit avec l'école qui pas fonctionné jodi an la dans zone dans région Boisrade, c'est ça? Boisrade. Très bien. c'est voilà Kaino. Donc à cause de la pluie avec inondation qui gagne Florida. Effectivement, depuis avant hier, c'est gros la pluie, vent cap venté mais vraiment bien fort. Par exemple, moi-même et côté moi la caille, moi là m'a tendé dans fenêtre comment vent lui-même la saccagé et dehors. Hein. Donc responsable dans région en Broward c'est une région qui gagne plus haïtien aux États-Unis, même dit dans Floride haïtien aux États-Unis même, ils ont décidé de fermer et porte toute l'école publique jeudi 16 novembre. Donc son décision prend d'aller pour éviter élèves avec personnel établissement scolaire ça eux même victimes pendant mauvais temps et d'après responsable qui a géré question
météo ici dans Miami, yo di vent ça cap souffler là yo praler jusqu'à 60 mm par heure et peut-être ça yo lancer un avertissement jusqu'à 1h de l'après-midi jeudi à la zone Broward, Miami Dade avec Palm Beach et pour moun yo même yo prudent. Donc si bon côté Broward yo di l'école la fermée pour jeudi hein. Eh bien, dans la région Miami-Dade, jusqu'à hier après-midi, ils ont dit que l'école lui-même a été ouverte pendant qu'il a continué à suivre les conditions de temps. Donc, pour qu'on y ait l'avant, il faut se calmer, pas vraiment gagner la pluie, mais gagner plusieurs zones dans la région, particulièrement côté Miami, c'est Broward, qui gagne inondation. Parce que le plus souvent, ça arrive, toujours gagner inondation, mais on va traiter après quelques heures de temps, si bagay la pas trop grave, ou après tout l'eau canalisé, et puis après la rue a retourné, j'en le dirai. Eh bien, merci un peu, Luxon Seville.